Des changements majeurs des vies vont être bouleversés avec cette vidéo, mais ça y est, c'est incroyable. Peut-être que j'exagère un petit peu, mais je me suis demandé un petit peu si je devais faire cette, euh, cette vidéo, parce que il bah, n'y a pas énormément d'informations non plus, mais vu que c'est un changement majeur et que dans l'actualité, par rapport à ce qu'on fait, ça me semble être assez important, et bien me voici, et je vais vous livrer toutes les infos que l'on connaît actuellement, parce qu'il va y avoir deux changements majeurs que je vais vous présenter dans cette vidéo. Le premier, bonjour à toutes et à tous, il faut être poli. Le deuxième surtout... C'est que Netflix donc, a perdu les droits de euh, Daredevil, entre autres, mais aussi de Punisher, d'Iron Fist, de Luke Cage, bref, d'un petit peu euh, tout le monde. Et donc, ces séries, vous le voyez ici, partiront de la plateforme Netflix à compter du 1er mars aux États-Unis. Pour nous, ça ne nous concerne pas. ce sera à partir du 28 février sur la plateforme. J'ai vérifié sur mon Netflix français, il y avait bien le petit bandeau pareil avec marqué euh, Ce show quittera donc euh, la plateforme à partir du 28 février. Et donc, euh, c'est vrai que bah, ça y est, c'est acté, vu que bah, vous le savez, il y a eu euh, tout simplement un rachat qui a eu lieu maintenant il y a quelques temps, euh, donc du côté de chez, euh, de chez Disney, vu que bah, les droits cinématographiques de Daredevil, Punisher, Jessica Jones, bref, de tous les Defenders appartiennent maintenant à, à, à Disney. Et bah, il semblait logique finalement que euh, toutes ces séries partent de, de Netflix pour aller sur une autre plateforme. Et où est-ce que ça va aller Mais tiens, non, mais vous allez me dire, mais, mais Steven, où est-ce que ça va aller Ça ne paraît pas logique si ça paraît logique je vous assure que ça paraît logique mais ça va aller sait-on jamais je vous le dis surtout simplement ben euh, alors aux États-Unis ça sera sur Hulu qui est un on va dire une plateforme de streaming qui est disponible uniquement là-bas mais chez nous vous le voyez ce sera disponible sur Disney Star euh, quelque chose de logique oui et d'ailleurs quand on parlait quand on commentait le rachat quand on commentait ce fameux ce fameux truc en se disant oui, Disney Plus semble lancer une nouvelle plateforme, en tout cas une nouvelle branche de sa plateforme, donc Disney Plus Star, euh, qui a l'air destiné à un public peut-être plus euh, majeur, pour des séries notamment un petit peu plus violente, n'est-ce pas euh, C'est vrai que, bah, on se disait forcément, les séries Netflix Marvel, elles vont aller, elles vont finir par aller sur Disney Plus tard vu que c'est carrément le public qui est, euh, est là-dedans. Et puis en plus, j'ai envie de dire, Disney commence un petit peu à développer euh, ses projets par rapport donc à ces séries. On a par exemple eu le Kaïd, donc qui est apparu euh, dans Hawkeye. On a eu évidemment le Matt Murdock dans euh, No Way Home. On a des petites rumeurs par-ci par-là qui parlent notamment euh, de la présence de Jessica. Dans, dans She-Hulk, donc ça, ça sera à déterminer. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas entendu parler d'elle, mais je vous balance l'info, c'est on jamais, ce n'est pas définitivement mort à son sujet, je pense. Euh, et concernant par contre, bah maintenant, le Punisher, c'est vrai qu'on on n'a pas de nouvelles, mais bon, son interprète, son acteur, avait quand même déclaré que il serait pas contre poursuivre l'aventure, il aimerait bien poursuivre l'aventure à partir du moment que ça ne dénature pas son personnage du Punisher. Ce qui est assez euh, compliqué, vous allez me dire, en général, vu que, euh, bah, tout simplement, le Punisher est quelqu'un de violent, tant par les paroles que par les actes. Hein, c'est pas du tout le même public que Disney, et de ce que veut Disney pour son public. Parce qu'en fait, finalement, Disney, c'est le grand public, c'est tout ça, il faut édulcorer, on a l'habitude, etc. Il euh, y a très très peu de choses qui sont réalité d'art, au final. Euh, et euh, Punisher, tu te dis, ok, tu peux très bien le mettre, par exemple, sur une plateforme comme Disney Plus Star. Pour une série, pour, pour, pour d'autres saisons par exemple. Mais la volonté quand même du MCU, on le sait maintenant depuis un moment, c'est quand même, euh, même ce que tu développes des séries, c'est quand même ensuite de les mettre dans des longs métrages au cinéma. Et honnêtement, je vois pas, mais oh, vraiment, je vois pas comment ils peuvent mettre le Punisher dans l'état actuel qu'il est, donc sans le changer, dans un film genre. Avengers Like avec plein de héros sans que le Punisher fasse des actes horribles pour le grand public. Vous voyez, pour moi ça me paraît impossible. Donc je ne sais pas quoi en penser pour l'instant du Punisher. On n'a pas de nouvelles non plus officiellement. Mais c'était aussi pour vous donner mon avis par rapport à ça et après ben, concernant tout simplement les autres Defenders et je pense notamment à Luke Cage ou encore Iron Fist alors eux on a zéro nouvelle et je pense pas que ce soit prévu de nous en donner pour être honnête parce que ben, dans un sens bien que certains aient trouvé le personnage d'Iron Fist attachant ou Luke Cage attachant c'est pas des séries qui ont cartonné comme par exemple Daredevil euh, qui était euh, une des séries les plus populaires sur Netflix et d'ailleurs en 2021 euh, Daredevil est remonté dans le top 10 des séries euh, Netflix les plus populaires grâce ben, à la sortie de No Way Home mais quand même ça prouve qu'il y a un certain engouement et ça prouve aussi que Netflix bah, va, se sépare un petit peu quand même aussi euh, d'une du, série et d'un univers qui était assez phare de la plateforme. Voilà, tout le monde connaît à peu près les dards de vide de Netflix, on en parle beaucoup. Donc tout ça pour dire que euh, concernant Luke Cage Iron Fist, on n'a pas de nouvelles et je ne sais pas s'il si, euh, y a quelque chose de prévu. Je ne pense pas honnêtement parce qu'on n'a eu ni d'interview d'acteurs, ni de rumeurs, on n'a rien eu du tout. Donc j'ai envie de dire si ça se fait, ce sera dans la plus grande des surprises et ben, tant mieux, quelque part. C'est un petit peu euh, normal. Et donc n'hésitez pas vous à commenter euh, ce que je viens de vous dire. Est-ce que le fait que ce, ça parte de, de Netflix, est-ce que ça vous dérange Est-ce que vous êtes abonné à Disney ⁇ est-ce que vous allez regarder les séries par un autre moyen Enfin, est-ce que vous en foutez Dites-moi un petit peu tout ça. L'autre news un petit peu en mode breaking news, parce que là c'est tout frais pour le coup, euh, c'est tout simplement Spider-Man No Way Home, qui c'est officiel, devient le film de super-héros le plus regardé de tous les temps en France, devant... Avengers Endgame, qui était déjà un mastodonte, on a du mal à imaginer parce qu'Avengers Endgame, ça avait suscité tellement d'engouement, tellement d'argent, tellement d'entrées aussi, que là, ça y est, on a un film. Qui, qui est passé devant Avengers Endgame. Je sais pas, pour moi, c'est représentatif de ce qu'est Spider-Man No Way Home, si vous voulez. Euh, c'est incroyable. Alors, il faut se calmer aussi parce que en France, concernant les super-héros, j'ai été assez surpris parce que je suis allé euh, vérifier par curiosité un petit peu où se placer les films de super-héros dans le classement euh, du box-office français. Et regardez un petit peu euh, Avengers Endgame, 98 places en termes de nombre d'entrées. Bon. Je ne vais, vais pas vous tout vous décrire, mais on voit que Netflix, que Titanic pardon, est euh, en première place, Untouchable en troisième place. Donc oui, des films de super-héros, bon, même si là, ils sont... Pas complètement à jour puisque vous le voyez euh, on voit pour avengers Endgame, c'était euh, 6 942 474 euh, d'entrées nombre d'entrées et euh, là c'est ça a un petit peu changé par rapport aux derniers résultats que l'on a mais c'est vraiment très peu euh, donc le classement change pas énormément dans tous les cas spider Williams sera peut-être je sais pas en 96e 95e position du classement du box office français euh, mais c'est pour vous dire que en fait on en parle comme si euh, surtout dans le monde en général parce que les box office dans le monde oui c'est Avatar, c'est tout ça, c'est tout ce genre de film dont on parle énormément. Et on a l'impression, du coup, que Spider-Man No Way en France, c'est pareil. Et les gars, euh, 90, 98ème place, quand même, c'est un truc de malade. Donc voilà, je voulais revenir par rapport à ça et vous dire que finalement. Ben, c'est cette année 2021-2022, je ne sais pas ce qui est en train de se passer, mais entre Jurassic World qui reprend donc ses acteurs de la trilogie principale, Matri Matrix qui revient des années après avec euh, ses acteurs principaux aussi, Kenobi qui arrive, qui a été annoncé ça y est pour le 25 mai je crois, euh, Kenobi qui arrive avec là aussi d'anciens acteurs, etc. Euh, tout le monde fait ça, Spider-Man, William, les trois Spider-Man, euh, le, le Michael Keaton, le Batman dans le film The Flash, il y a une tendance qui s'est créée clairement, et je pense, et c'est là où je veux en venir, que euh, ce, ce succès qu'a eu Spiderman No au cinéma est représentatif finalement de ce que veulent faire les studios avec les fans. On est sur enfin peut-être quelque part une génération de, de films où on va écouter les fans, ce qui euh, dans un sens peut-être maladroit parce que du coup beaucoup crient aux fan service etc. J'ai encore vu des tweets concernant Jurassic World euh, disant que c'était encore plein de fanservices, service etc. Donc dans un sens ça fait râler mais dans un autre ben, on voit quand même que au niveau du succès des films ça rapporte énormément, les films font beaucoup parler, Spider-Man ou William objectivement parlant est loin mais très loin d'être une masterclass et très loin d'être un chef-d'oeuvre. Et pourtant, il fait parler de lui parce que, là, je parle de manière subjective, c'est un, un film qui est tout simplement incroyable à vivre quand tu es fan et tu t'en rappelles. Voilà, tu t'en rappelles. Et ça, je pense que c'est ce que les studios essaient d'aller chercher en ce moment. C'est peut-être pas plus mal non plus d'avoir une période un petit peu plus nostalgique d'un cinéma avec toute cette crise qu'il y a eu euh, et toutes les questions qui se sont posées envers le cinéma, mais aussi envers... Euh, tout, toutes les personnes de manière individuelle dans leur quotidien, si vous voulez, donc moi je trouve que c'est plutôt bénéfique et euh, je suis super content pour Spider-Man No Way Home. Et je pense qu'on ne peut que l'être parce que peut-être que vous êtes des détracteurs de Spider-Man No Way Home parce qu'il y a du fan service ou je ne sais quoi, mais il faut aussi avant tout penser à à notre passion qui est le cinéma et Andrew Garfield l'a d'ailleurs très bien dit en interview il y a de ça maintenant 2-3 jours il avait dit qu'il était super content d'avoir participé à un film qui a pu aider les cinémas parce que euh, on est dans, dans une période si vous voulez où euh, bah, les cinémas ils allaient plus trop il euh, y en a il y en a certains qui ont mis la clé sous la porte et c'est bien d'avoir un film comme ça, qui, qui repopularise, qui, qui fait arriver une masse énorme de personnes dans les salles. Moi, je suis super content, et je pense qu'en tant que fan de cinéma, que vous aimiez ou pas Spider-Man William, on ne peut qu'être content de ces chiffres, honnêtement, surtout vu la période. Voilà, c'était un petit peu euh, mon... Mon petit décryptage, on va dire, avec des petits chiffres par-ci par-là, avec des, des petits avis comme d'habitude. N'hésitez pas à, à, à me donner le vôtre en commentaire. Hein. Évidemment, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça De Pacheton, ça y est, Daredevil Netflix, c'est fini. Daredevil Marvel, enfin Netflix Marvel, c'est fini. On passe maintenant sur Disney. Ce qui potentiellement peut, peut-être, je ne sais pas, euh, contribuer à convaincre Disney, si ce n'est pas déjà fait, à poursuivre, euh, je ne sais pas, des punisseurs ou pourquoi pas. Jessica Jones, pourquoi pas Luke Cage, soyons fous. <laughs> Bref, donnez-moi votre avis là-dessus en commentaire, comme d'habitude, à mettre le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Les réseaux sociaux sont juste ici si vous voulez suivre l'actu. Et bah, je vous dis euh, à ce soir, potentiellement, pour une potentielle réaction à un nouveau teaser d'ici. Voilà, on verra ce que, ça vous, ce que ça va vouloir. Bref, des bisous les deux.